DJ Stéphane. Balamwange. Congo ya Lumumba, Congo. La fachi beton. Tangwe koki yo yo yo. Tangwa ngoya ngoyo ye koki. Tolanda kango. Papa Stéphane, Balamwange. Oh yeah yeah. Bien, merci beaucoup. Bienvenue à cette information, à ce rendez-vous de la communication. Nous sommes là encore de nouveau. Nous sommes là encore. Dieu, notre Père Céleste, qui nous a encore donné cette journée, une très belle journée. Il fait vraiment très froid aujourd'hui dans la ville et province de Kinshasa. Nous sommes en direct. Je salue tous ceux qui nous suivent à partir du Canada. Maman Mélanie qui nous suivent. Je salue tous ceux qui sont en France, à Paris. Bande Kounyoso, Bozalina Bienose, Wana Tuzalina Capital. Il y a Argentine Mboka, il y a Lionel Messi, il y a Diego Armando Maradona. Et puis na pesi na bosanite ba au bazali na niveau ya Brésil, na pesi bino mbote, pourquoi pas ceux qui sont en Angola, ceux qui sont au Maroc, ceux qui sont en Afrique du Sud. Et là tout directement, je nous amène na partie ya Uganda wa chef de l'État Azalaki Rossi et Pana Museveni. Nous avons tous suivi les informations, il aura des accords au ekozala bongo signé na Mikoleza Koya. Wana ezali ba annonce ya sujet na biso. En dehors de cela, chef de l'État Kolongwa na niveau ya Uganda, le président de la République s'est rendu na niveau ya Burundi pour kokende ko participer na na réunion au ezali ya Komesa. Et puis voilà. Donc na pesibino, soyez le bienvenu na tango koki. Balai diplomatique na niveau ya Namibie. L'ancien président de la République Joseph Kabila Kabange reçoit de tour à tour les ambassadeurs, notamment de l'Union européenne, de l'Union africaine, mais également des anciens sénateurs des États-Unis d'Amérique. Là, c'est le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange a bandi ba balai diplomatique na niveau ya Namibie. Kabila a bandi ko yamba batu. Outa Kabila tiki bokonzi. C'est la première fois que Kabila a fungola oba benga ka front diplomatique. A komi ko yamba batu na niveau ya Namibie. Ba délégation o ezali ya Union européenne. Ba ya ba femme d'affaires, ba homme d'affaires, ba multinational, ya espace Schengen, ba ancien sénateur américain, ba zali kokende na niveau ya Namibie pour na kokutana na ancien président de la République Joseph Kabila Kabange. Pourquoi cette coïncidence? Le chef de l'État annonce le changement de la constitution à partir à Kisangani. Joseph Kabila Kabange, après que le FCC, le Front commun pour le Congo, je ne sais pas moi si le Front commun contre le Congo, a annoncé à Sali point de presse naye, basengi na Tshisekedi ke amekata ko touché à ta article mon côté ya constitution. Kaka ndenge batikela ki e bokonzi, FCCP bazo senga na Union sacrée à partir ya chef na bango politique, autorité morale et politique, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, FCC Balobi, a simbata article mogote. Mais awa, tomoni, Kabila, a bandi koyamba batu na Namibie. Le message est zanini. Les enjeux est zanini. Les contours est zanini. Quelles sont les choses qui ne sont pas dites ouvertement? Ni nezo le kananase. Kabila a fungoli ba benga ka balai diplomatique, front diplomatique a komi ko yamba batu na Namibie. Toko solo la na bino ezali le premier sujet. Corneille Nanga lance un message au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il dit ceci: si un seul article de la constitution du 18 février 2006 est touché par l'actuel dictateur à la personne de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo,
nous allons alors déclarer toutes les zones occupées par les forces de libération de la République démocratique du Congo, des M23, de l'Alliance du fleuve Congo, ainsi que du RDF, sont désormais déclarés des États indépendants du Kivu. Là, c'est le message Oyo, Corneille Nanga, Atindeli, Félix et Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors bien que Soki Tshisekedi ameki ata kosimba kaka. Kosimba kaka ata mokoloto moko. Article moko. Eteni moko. Ya mobeko li konzi. O ezali ya constitution. Nanga, Alliance Fleuve Congo, M23, RDF, na mese Kagame, bako deklare, ba zone nyon seza okipe, désormais est commis par État indépendant Tikiv. Là, c'est Nanga qui lance le message. Qui a envoyé à Nanga de lancer le message? Na yebisa kibino na premier sujet. Kabila Fungoli, front diplomatique. Des balais diplomatiques, bazali ko kende ko mona Kabila na niveau ya Namibie. Nanga, dès que Kabila Fungoli, front diplomatique, Nanga lance un message. Et pas na Tshisekedi. Azobe nga Tshisekedi. Dictateur. Oh, ils allaient bas siéger Nabisso, tout mes cas développé. La crise allait des pèses. Le chef de l'État, l'autorité morale et politique de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS en sigle, confie une mission de bons offices à la commission chargée des députés nationaux, mais avec l'actuel président, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, afin de trouver la solution à cette crise et remettre tous les enfants, notamment les brebis égarés, et également mettre en place la solution pour la crise de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Oyo ezali parti politique ya marabobola, oyo bozali kolanda, toko meka un peu kolobela makambo ezali ko bakuna pambate, ba combattant ba lobier que le 2 novembre, ba ko kita lisu na balabala. Alors na yebisa kibino na premier sujet na biso et que l'ancien président de la République, le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, a komi koyamba batu na Namibie, mais eloko nini etindi Kabila a fungolo babengaka front diplomatique, des ambassadeurs de l'Union européenne, des ambassadeurs notamment ou alors le homme fort de l'Union africaine, les anciens sénateurs américains, bah Louis Michel, bah ancien président de la République, bah komi ko kende ko koutanana Kabila na Namibie. Kabila za ko préparer nini? Est-ce que Kabila za na logique ya ko luka ko empêcher Tshisekedi a changer constitution T? Parce que le chef de l'État, à partir à Kisangani, a lancé message et sa volonté. Il y a qu'à mettre en place une commission pour changer la constitution. L'ancien secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabuya, a lancé un message campagne pour bengi la révision de la constitution. Le porte-parole, il y a gouvernement Patrick Muyaya, il a lancé un message à l'objet que réviser la constitution à Bissau et Zali pour l'intérêt du peuple congolais. Mais Nanga aussi n'a pas naïe. A outi ko lancer message nenga na lobiawa. On est allé deuxième sujet na biso to ko talango. Je ne vais pas trop ko fungola sujet wana na kangi yango na na fungoli ka sujet ali boso. Et loko ni ne tindi Kabila a kende ko banda ko yamba bato na niveau ya Namibie. Le chef de l'État depuis Azubo Konzi, relation na yena Kabila, oui, ezala ki toujours malam. Relation entre Kabila na Tshisekedi ezala ki toujours malam. Libala wana nenge babalana ki entre bango mibale moto ya bandai kotungisa moninga zalaki te libala na bango eza kokoba bakei baboti bana bana ngo ezali banani FCC na cash basangisi bana eza lokola libala ya kato vanda mwasi ya bota asala vi na ye mobali ya bota pe asala vi na ye mais lokola bolingo esangisi bino nde bo vande ensemble pona koluka nenge moko bokola bana. Mais bana oyo basangisa ki ya FCC na cash ba yo kakate bana matoi mangbongi bitumba kubunda lelo moye zate Jamar Kabund
akomi koyebisa ba jane ba ba janini mabunda ke no boko nager ba tambwe mamba ba komi ko kanela tisekedi kamere pai process 100 jours et tisekedi amonage ke libala o isa ya malamu te ndeto kendaki na nini ya ko kweisa libala wana o mutu yo sorba ke zali mariage contre nati FCC cash eleki mikolo le chef de l'état a outi ko sala annonce awa ke Kabila za ko préparer insurrection et l'afse de nanga est égal à Kabila. Ça veut dire que makamunyo so nyanga losa na est, excusez-moi, ezali nani ezali Kabila mutaza ko tinda yango e permettre ki Kabila alukanzela abima kende. Mama Olive Lembe awa Olive Lembe abimi awa tango ba force du progrès a pep ya UDPS ba keyi ko le kalakuna balobie ke bango ba yaki po ba bomaye Olive Lembe akumbi avion akeyi wapi akeyi na niveau ya Lubumbashi koko makomi kuna po abima moya bimeza ki lisusute pona ba mesure ya banquete na ya sécurité na makamunenge le kanani na kisasa na côté ya GLM opposant les policiers o bazaki komi na garde ya GLM na ba force du progrès ba ibiso Olive vandanano makambo wana esili nano te. Kabila chef de l'état sali sorti médiatique à parti à Bruxelles alobe que Joseph Kabila zako préparer insurrection. Voilà un peu biloko oye sali que est dérangé la relation entre l'ancien président de la République mais avec l'actuel chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Kabila va maintenant développer des stratégies. Tshisekedi akeyi et pas na ginagangwa le président Namibia Zimbabwean Kabila tindi batu bakendo okuta na ye ko babongisa relation entre Tshisekedi na Kabila. Ça n'a pas marché. Il y a eu les ambassadeurs de l'Union européenne o bayaka na oyawa, je vous avais dit ça. Bakuta na Tshisekedi ba yebisa ye ke atika un peu ko traquer médiatiquement ancien homologue na ye le président de la République le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange. Ça n'a pas marché. Si c'est qu'il y a Kéina Chine, la délégation aux Alliés des membres de la FCC, basu avion, na ba lobbying, na ba onde ba salaka, ba tindi ba tuba kende okuta na si c'est dit non et pas na ma Xi Jinping, ba kuta na ye ba plaider pour le makamwa Kabila parce que Kabila azali na ba bien ebele na Congo, Kabila zoko apporter mingi na Congo. Biloko akoli ya oba libanais baza kote ka Kabila za actionnaire na kati azali partenaire okuti même na ba domaine nyonso ya hôtellerie ya charcuterie ya biloko akoli ya ba chambre froide makambu nyonso. Ça veut dire que c'est Kabila nde mutu azali ko déteni pouvoir jusqu'au jour. Il était question que non Tshisekedi a collaboré naye lorsque le chef de l'état a lobié que Kabila za ko préparer insurrection. Kabila kati makolo na Congo ayaka lisusute. Depuis nenga bima, to mona ki dernière image d'ailleurs Kabila akende kokutala na Louis Michel na niveau ya Bruxelles. Akutani na ba autorité belge, akutani na ba autorité française, akutani na ba homme d'affaires. Et alongo wana Kabila kei na Qatar. Kuke na Qatar kuna akei ko landela makamu na ye misana ye kuta sala ba investissement na ye. Awa tuza koloba awa Kabila lancé ou babengaka balai diplomatique a lancé front diplomatique à partir à Namibie. Mais ndaku oyo Kabila za kuvana na ngona Namibie. Pour votre formation, ezali le pango résidence mutasomba ki ezalaki Laurent Désiré Kabila. Tango azaki na bokozi asomba ki ngwe za loko la résidence présidentielle. Et sengeli gouvernement congolais ba sala banquette. Ba yeba est-ce que mikanda oyoyo basomba ki na lupango wana ezalaki bien privé ya Laurent Désiré Kabila ou bien ezalaki mbongo oyo Laurent Désiré Kabila bimisaki pona okende kosomba ba résidence présidentielle ndeka ezalaka chef de l'état soka za na bokonzi esengeli asomba pe ba mapango ezala ba résidence tango longwe na kisasa par exemple akende ko vanda kuna. Alors awa Kabila akomi koyamba batu kuna, je me demande Kabila za ko préparer nini. Azako préparer vraiment insurrection ndenge chef de l'état lobaki ou Kabila azako préparer loko mususu. Soke zake Kabila azako préparer loko mususu. Toye bakangoke la Namibie place Kabila zali
et sengeli Tshisekedi pe na ngamu na ye ameka ko développer babengaka le lobbying pendant ko kende ko kutana président Namibia ko solo la. Parce que je me pose une question. Mikolele ki awawa tolanda ki on a ba information que non Kabila aboa ki ngunda na Namibie. Tozu information wana, on a essayé un peu d'analyser, on a vu les intérêts que Kabila a au niveau de la Namibie, on a vu les conflits qu'il a avec l'actuel chef de l'État, avec l'actuel régime de Tshisekedi, on a vu les problèmes que Kabila a avec les Occidentaux, on a eu les problèmes, tout ça, on a conclu que c'était vrai que Kabila pouvait aussi faire ce qu'on appelle le demande d'être un exilé politique au niveau de la Namibie. Et là, voilà, tu as dit que vous avez information que Kabila a commis qu'il y a un babato. A commis qu'il y a un ambassadeur américain. Bassien sénateur américain. Mais pourquoi Kabila a un bassien sénateur américain? Parce que Kabila a bien que ce sont les anciens sénateurs américains. Ce sont ces gens-là. Bazali n'a droit de veto. Et ils ont un grand pouvoir dans le niveau de la puissance américaine. Et lorsque les élections, et ça, la magana États-Unis d'Amérique, quand les Américains organisent les élections, les États américains organisent les élections. Ce sont les deuxièmes électeurs qui décident pour qu'un président de la République soit élu ou pas. Même si le peuple américain vote et que la décision de la deuxième, de deuxième électeur n'est pas du tout conforme par rapport à la volonté de souverain primaire, ce président qui est élu par le peuple ne peut pas être élu ou alors proclamé le président de la République. C'est comme ça que Joseph Kabila va contacter certains anciens américains, certains anciens sénateurs américains qui poussent alors le venir lui porter main forte, lui aider afin qu'il puisse revenir au pouvoir après les élections de 2028. Raison pour laquelle il y a des Occidentaux, il y a des ambassadeurs européens, les chargés d'affaires de la mission, de certaines missions des Nations Unies, bakomi ko kende ko kutana na Kabila na niveau ya Namibie. Chers compatriotes, na lobaka yango awa na tango ekoki. Je vous avais dit ça ici. Na yebisaka bino ke libanda oyo Kabila bimi libanda esengeli to lande la sortie ya Kabila. Mais to lande la ngondenge nini? Nous allons suivre ça comment? Nous allons suivre ça pourquoi, avec quelle stratégie et comment empêcher Kabila de ne pas développer des mécanismes afin de revenir au pouvoir. Le chef de l'État a annoncé à partir de Kisangani ce qu'on appelle la volonté de mettre en place une commission chargée de changer la constitution. Et là, M. Kabila, l'ancien sénateur, l'ancien président de la République, il ouvre ce qu'on appelle les fronts diplomatiques. A komi ko yamba batu. Awa bokoyoka na mikolo leki awa landa makambo bokoyoka na mikolo oyo tozoya awa. Jean-Cy Brigitte Kibal. Makambo koya mikolo oyo tozolanda awa. Bokoyoka les États-Unis d'Amérique interdisent à Tshisekedi de changer la constitution. Ce sont les choses qui vont arriver. Ce sont les choses qui vont arriver lorsque Tshisekedi va alors mettre en place une commission qui sera chargée, qui se chargera de changer la constitution, d'étudier les mécanismes, comment on va changer la constitution. Et vous allez maintenant entendre qu'un ancien sénateur américain, le département d'État américain, demande à l'actuel chef de l'État Tshisekedi de ne pas toucher même un seul article de la constitution. Et c'est comme ça que vous allez comprendre maintenant que Kabila a maintenant des acquaintances avec des Américains, comment ils peuvent améliorer l'ancienne relation qui a été bousillée par le régime de Kabila afin que Kabila puisse revenir au pouvoir. Parce que même Ngana Mizutuna, chef de l'État, a annoncé changement à la constitution. Quelques jours passés, Kabila a commis Kouyamba Batu dans Namibie. Est-ce que vous pensez que ça n'a pas marre? Nous sommes en politique. Et mutualité. Nous faisons de la politique. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Oyo Kabila préparé, n'a pas américain,
naba occidentaux et puis naba marionnette mususu ya ba président oyo bazali na collaboration naba occidentaux allégeance au bazar au Kenya opesa Kabila na Namibi eza duani. Ce sont des questions oyo il faut tomi poser. Ce sont des questions oyo mituna oyo biso il faut tomi tuna. Peu importe les rencontres que Kabila est en train de développer à partir de la Namibie, nous disons à Kabila que la constitution sera bel et bien changée. Peu importe les différentes rencontres, même les fronts diplomatiques que Kabila est en train d'ouvrir à partir de la Namibie, en recevant les délégations des Occidentaux, les délégations des Américains, nous disons à Kabila qu'il a fait son unique mandat, il a renouvelé une seule fois avec un surplus de 3 ans à la tête de la République démocratique du Congo qui lui a donné 18 ans au pouvoir. Nous disons à Kabila qu'il ne va plus revenir au pouvoir. Nous n'avons pas besoin de ça. Kabila revient au pouvoir pour nous fabriquer encore quoi? Kabila va revenir au pouvoir pour ramener alors les fils du Seigneur, le fils de Dieu Jésus-Christ de Nazareth. Yango toza koyebisa Kabila ke eloko lekitika ezate. O komi koyamba batu na Namibi. Kabila komi koyamba batu na Namibi. Donc awa afungoli siko babenga ka front diplomatique. Le Congo nous n'avons pas d'amis. Nous n'avons que des ennemis. Le Congo nous n'avons pas d'amis. Nous n'avons que des ennemis. Awa bokoyo kawa Shadari akobanda okende kuna Nemi abando kende kuna Obeminako abando kende kuna Bandre Kimbuta abando kende kuna Kagame akokende kuna Nanga akokende kuna Les Américains ba okende kuna Les Sud-Africains ba okende kuna. Alors le peuple est avec le président de la République. Nanga atini message epana Tshisekedi. Ayebisi Tshisekedi que soki o mekika ka ko toucher article moko ya constitution. Mobe koli konzi. Si vous osez à toucher un seul article de cette constitution, alors nous déclarerons les zones occupées par les M23 désormais des États indépendants du Kivu. Il n'y a pas plus longtemps, Nanga qui envoie le message à travers un communiqué disant que l'avion de chasse des FRDC aurait violé l'espace aérien, notamment des M23, des RDF ainsi que de l'Alliance Fleuve Congo. Est-ce que Tshisekedi a kozonga sima na mokano na ye? Parce que awa nanga atini message alobi soki kaka asimbi kaka article moko ya constitution. Ça c'est Nanga qui parle. Ce qui dit c'est que dans le Mekika, il y a article moko ya constitution. Ba zone où ils ont occupé. Tozu Bunagana, tozu Kichanga, tozu Kalembe, tozu Rubavu. Ba zone wana, ya ko déclarant o ba état indépendant di Kivu. Analysons. Le chef de l'État annonce le changement de la constitution à partir de Kisangani. Quelques jours après, Museveni critique amèrement que le Congo est un État en faillite. Avant cela, Kagame alerte la communauté internationale que Tshisekedi prépare de le tuer et prépare son élimination physique. Quelques jours après, Kabila commence à recevoir
les anciens sénateurs américains, ainsi que d'autres représentants de l'ambassade de l'Union européenne au niveau de la Namibie. Et quelques temps après, Kabila a été reçu par Louis Michel à partir de la Belgique. Les gens qui firent des parrains politiques de Kabila jusqu'à aujourd'hui. C'est l'ensemble de ces gens-là qui ont amené Kabila au pouvoir après l'assassinat de son père. Nanga qui envoie maintenant un message que si Tshisekedi ose de toucher un seul article de la Constitution, alors Bango va ko déclarer état où ils allaient occupé par les M23 et que vous allez à l'état indépendant du Kiv. Chers compatriotes, à un certain moment donné, tous aura ma camionnion son n'a pas blague. Il y a des propos où ils m'ont accueilli côté ni. Yo que vous en gotez parce que à l'oubika canon, nous devons prendre ça au sérieux. Nous le savons tous que la partie est de la République démocratique du Congo, de notre pays, c'est une zone qui est enviée, qui est sollicitée par les Américains. Les multinationales américaines pensent que le Congo peut aussi être balkanisé. Pourquoi? Parce que dans la partie est de notre pays, la République démocratique du Congo, le pays de Lumumba, le pays de Kipanvita, le pays de Baïmbo, les pays de Tshisekedi ou Wamulumba, les pays de Mara Bobola peuvent désormais être balkanisés parce que dans cette terre, dans le sous-sol, il y a ce qu'on appelle les minéraux ou alors les matières premières stratégiques. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut maintenant balkaniser cette partie de la République démocratique du Congo. Et comment y arriver? Il faut créer la déstabilisation, créer l'infiltration en République démocratique du Congo, mais également créer ce qu'on appelle la division et isoler le Congo dans les concerts des nations. Et c'est comme ça qu'on va commencer maintenant à armer M. Kagame, Yakoupé Saïe Mindouki, Yakoupé Saïe Mbongo, pour nous continuer dans le Soudan et dans le Congo, Baba Nakoussa la violation, il y a principe, il y a intangibilité à la frontière, Baba Nakoussa violé principe, il y a intégrité territoriale, mais Baba Nakoussa violé pour ma maman Nabiso. Alors, au moment où Tozakoyo Kananga est en train de déclarer que si Tshisekedi oserait de toucher un seul article, alors Tshisekedi va regretter le jour où il avait pris le pouvoir. Vous pensez que Ezali ba propos kanga muto alali ala muki ameli bangi nde ameli yango? Non, Ezali ba propos bien préparé, bien planifié, parce que Nanga n'est pas seul. Nanga est avec Kabila. Nanga est avec les Occidentaux, Nanga est avec les Américains, Nanga est avec les multinationales européennes, américains et certains Asiatiques, Nanga est avec Kagame, Nanga est aussi avec les ennemis de la République. Voilà pourquoi nous ne devons pas laisser à Nanga la facilité de tenir de tels propos. Bangi o Nanga Zakomela et Sengeli Amekaempe Kolongola Rabambouma. Lorsque le chef de l'État l'oublie que l'opposition est en Zala, nous avons compris que Tshisekedi a fini l'opposition, non, ce n'est pas ça. Alors, nous pensons que Nanga et Sengela Ebaeke, le Congo restera un et indivisible. Le Congo ne sera pas balkanisé. Le Congo, quel que soit les problèmes que nous avons, quel que soit les problèmes que nous avons, quel que soit les degrés, la grandeur, l'efficacité, voire même la puissance de la pression pour obtenir la balkanisation, le Congo, nous ne serons jamais balkanisés. Pourquoi? Parce que la mentalité des Bantous est différente à la mentalité des Nilotiques. Quand vous mettez un Nilotique avec un Bantou dans une même assiette, sachez-le que la couleur des Bantous aura ce qu'on appelle l'hospitalité, la gentillesse, l'honnêteté, mais également l'amour du prochain. Mais un Nilotique, il est différent d'un Bantou. Un Nilotique, il peut venger en tuant la personne. Un Nilotique, il peut accepter d'abattre un homme, mais laisser une vache ou alors un serpent. Voilà pourquoi nous en appelons à l'ensemble de la République démocratique du Congo. Nous en appelons au regard
de la politique des velléités, des expansionnistes, des occidentaux, des américains et des marionnettes africaines. Nous appelons le peuple congolais à la vigilance, d'être derrière la politique de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo afin que nous puissions sauver notre pays. Nous sommes au bord de connaître ce qu'on appelle la balkanisation. Nous sommes au bord de connaître ce qu'on appelle le fissure démocratique. Mais nous pensons que cette politique ne marchera pas. Cette politique de pouvoir obtenir la balkanisation dans notre pays est aussi bâtée. Parce que le Congo, nous sommes un et indivisible. Le peuple Oumu, le peuple Nandé, la province du Nord Kivu, la province du Sud Kivu et la province de l'Ituri, de Haut-Uele, de Bas-Uele, du Nord-Ubangi, du Sud-Ubangi, de la Mongala, de l'Équateur, de Kulu, du Kwango, de Congo central, de Kasai central, Kasai occidental, oriental, de Tanganyika, de Lualaba, de Haut-Katanga, de Maniema. Nous sommes tous un seul peuple. Nous sommes unis par le sort. Nous sommes tous derrière la vision du chef de l'État afin de construire un Congo fort, uni et prospère. Nous n'avons pas besoin de la division. Si vous avez besoin de la division, allez diviser Nanga, allez diviser Nanga avec Kabila, allez diviser Kabila avec Kagame. Le Congo, nous sommes un seul peuple. Nanga obangi sabisota. Nanga akubangi sabisote. Le secret c'est quoi? C'est de créer la déstabilisation. Le secret c'est quoi? C'est de créer l'infiltration. Le secret c'est quoi? Le secret c'est de créer ce qu'on appelle les exactions, mais également les hostilités et la violation des principes de l'intégrité et de la souveraineté. Et tout ça c'est Monsieur Kagame, Ndaza Simabiloko. Cette constitution, lorsqu'on dit qu'on doit changer cette constitution, mais il y a tant d'articles au sein de cette constitution qui demandent à ce que cette constitution soit toutefois être changée. L'article 4, l'article 51, l'article 217, 214, ce sont des articles qui violent les principes de souveraineté, mais également de l'intégrité territoriale de notre pays. Cette constitution est achetée dans la poubelle. Je dis bien, mettez ça sur internet. Cette constitution est achetée dans la poubelle. Parce que c'est une constitution qui ne cadre pas non plus avec les réalités socio-économiques du peuple congolais, avec la souveraineté de notre pays. C'est une constitution des belligérants. C'est une constitution qui a été mise en place par imposition. Et je peux le dire, bref, c'est une constitution du Rwanda qui a imposé à la République démocratique du Congo en sortant de l'accord de 1+4. C'est une constitution des rébellions. C'est une constitution de la paix. Mais pourquoi nous disons que c'est une constitution de la rébellion, mais également de la paix? Parce que le pays a été divisé. Le pays a été secoué lorsque Mouzé a pris le pouvoir. Et après l'assassinat de Mouzé, les Congolais devaient être autour, unis autour d'une table. Et c'est comme ça que les Congolais vont accepter ce qu'on appelle le référendum, notamment de 2005. Quelle est cette élection qu'on peut organiser où on demande à un peuple de voter oui et de voter non? Mais on impose à un peuple de voter oui. 64, 67, on a connu aussi les référendums. Ça veut dire que lorsque nous allons organiser les référendums après celui de 2005, nous aurons ce qu'on appelle alors pour la quatrième fois ou la cinquième fois qu'on puisse organiser les référendums dans notre pays. Mais cette fois-ci, les référendums qui sera organisé pour que nous puissions changer cette constitution, ça sera un référendum le plus libre. Ça sera un référendum que le peuple congolais n'a jamais organisé. Ça sera un référendum que le peuple congolais
va l'organiser et va accepter de sa propre volonté d'avoir une nouvelle constitution. Cette constitution est à jeter dans la poubelle. Cette constitution, elle est à oublier. Ceux qui s'opposent à la vision du chef de l'État de changer l'actuelle constitution, ce ne sont pas des Congolais. Ce sont des gens qui sont corrompus moralement. Et je peux dire que ce sont des gens... Non. Dans le bayangote. Chers Congolais, chers compatriotes, la crise qui sévise au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social, il n'y a qu'une seule personne qui est en train de créer le désordre, qui crée les hostilités à la tête de l'UDPS. Ce qui se passe dans les zones occupées ne sont pas différentes, n'est pas différent de ce qui se passe à l'UDPS. Et celui qui est en train d'organiser tous ces désordres, c'est une seule personne. C'est l'actuel honorable Augustin Kabuya. Pourquoi nous disons ça? Etel Longondo, le docteur, a organisé ce qu'on appelle une correspondance. Il a adressé à l'ancien secrétaire général de l'UDPS de lui dire qu'il est temps de réorganiser notre parti, préparer les élections et comment nous devons conserver ses pouvoirs de Tshisekedi Tshisekedi Wamulumba, qu'il a lutté avec les 13 parlementaires pendant que nous étions à l'opposition. Nous avons gagné le pouvoir, mais il faut maintenant les conserver. On a appelé les camps d'Étienne Longondo. Ils ont été attendus par la convention démocratique du parti. On a appelé les camps Kabuya. Kabuya n'avait pas accepté d'aller présenter ses moyens de défense par rapport à la demande d'Étienne Longondo de pouvoir réorganiser les partis avant les élections de 2028. Et c'est comme ça que la convention démocratique du parti, qui est l'organe censé orienter et prendre des décisions, mais également à travers une concertation. L'ex-secrétaire général, M. Augustin Kabuya, ne va pas accepter cela. La convention démocratique va se saisir et s'autoproclamer d'organiser ce qu'on appelle la session extraordinaire que nous nous sommes dirigés au niveau de cette année. Le 11 août dernier, la convention démocratique du parti a demandé à ce que M. Augustin Kabuya ne puisse plus engager et gérer le secrétariat du parti. Et on va prendre le préséant d'Augustin Kabuya, qui est M. Deo Bizubu Balola, qu'on va le placer à la tête, notamment de l'UDPS, afin de gérer le parti. Et on lui va en confier ce qu'on appelle les 6 mois, notamment de l'intérim, pour que nous puissions aller au Congrès comme exige les statuts de notre parti politique, l'Union pour la démocratie et le progrès social, les partis chers de Mama Marti Kasalu, de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que de Clotilde, l'honorable Clotilde. Nous allons quitter ce niveau-là. M. Kabuya va s'entêter et Deo Bizubu sera empêché de ne pas gérer les partis. Nous avons mis en place une structure qu'on appelle la base pour l'application des résolutions de la convention démocratique du parti du mois d'août de 2024. Le docteur Noël, lui qui va initier cette structure, et ça sera la base de l'UDPS. Les mouvements formels et informels que nous avons mis en place, et ces mouvements ont accepté d'exiger maintenant ce qu'on appelle le respect de la résolution du CDP. Les 12 derniers, nous étions descendus de la rue. Nous avons bravé la paix. Kabuya a envoyé les militaires qui poussent à nous tirer d'ici. Mais nous avons bravé la paix et nous avons organisé notre manifestation qu'on devait aller nettoyer, balayer notre permanence de l'UDPS, qui est devenue la sanctuaire des pratiques fétichistes, mais également sorcelleriques de la part de l'ex-secrétaire général. Et aujourd'hui encore, une grande activité, après que le chef de l'État puisse confier une mission aux députés et sénateurs de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS en sigle, avec l'honorable Clotilde, avec l'honorable Étienne Longondo, avec l'honorable Toby Kayumbu. Et c'est comme ça que
le professeur Tulumbay, à qui on attaque parfois bêtement, ça comprend la nécessité de voir notre parti politique être développé, être réorganisé, qui vont adresser un rapport auprès de notre autorité politique de référence, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, afin de remettre de l'ordre et la paix et dans l'unité en respectant les statuts du parti. La base de l'IDPS, nous organisons une grande activité. Ça sera une marche pour le nettoyage de notre permanence. C'est dès novembre, avec le docteur Noël, que nous allons tous alors descendre dans la rue. Le 2 novembre prochain, la base de l'IDPS pour l'application des résolutions, notamment de la Convention démocratique du parti, nous serions dans la rue. Nous demandons à la police de faire son travail, de nous encadrer. La police ne doit pas être là pour exécuter les ordres de M. Kabuya. La police doit être là pour protéger le peuple ainsi que leurs biens. Les combattants de l'IDPS font partie aussi de ce peuple. Nous exigeons seulement son départ pour sauver notre parti politique. Nous demandons aux combattants et combattantes d'être vigilants, d'être debout. Et le 2 novembre, nous devons être tous dans la rue afin de pouvoir exiger le départ de Kabuya et le respect des résolutions du CDP. Nous remercions notre autorité de référence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ainsi que cette commission qui est chargée de travailler afin que nous puissions avoir la paix et créer un parti politique réorganisé afin que l'UDPS puisse devenir fort. L'UDPS de Tshisekedi doit devenir un UDPS, notamment des intelligences. Or, état de nuit, ce qu'on appelle les antivalets. Merci beaucoup. Nde tokutani mikolo oyo ezali koya. To kambama kibongo nandeko Maître Gims, le petit le plus courageux. Et à la prochaine. Ciao. DJ Stéphane. Balamwange. Congo ya Lumumba Congo. Bafati beton. Tangwe koki yo yo yo. Tangwango yango yo ye koki. Tolanda kango. Papa Stéphane. Balamwange. Oye ye.